bonne patate. Ah, j'ai mis à tremper. Donc, on va bien les laver. On va pas enlever la peau. Hop, bien les frotter. Alors, très important, le coupage de la pomme de terre. Hop, deux parties. Après, on met à plat. Voilà, et donc, là vous avez une potatoes, là vous avez une frite, une frite, une frite. Voilà, et une autre potatoes. Là il y a 500 grammes, hein, donc là il y a une bonne part pour une personne. Vous allez voir que ça prend vraiment très peu de temps de faire des frites. Tac. Donc dans l'eau pour l'amidon. Là vous avez, vous voyez, un bol, enfin un gros bol, hein. Il y a vraiment, là il y a 500 grammes, c'est vraiment une très bonne portion. On va voir ce que ça donne une fois cuit. Voilà, donc on va passer à la cuisson. Voilà. Vous voyez, là j'y suis à peu près, je suis plutôt pas mal, je suis dans les 160-165. Bon, ça baisse dès qu'on sort le thermomètre de l'eau, mais voilà, voilà. Donc, on est plutôt pas mal. Voilà, ça va baisser pas mal la température. Tu n'es pas un Belgicien, tu veux faire des frites, tu es un Bretonien, enlève ton beurre salé, mets de l'huile. Voilà, on est redescendu à 120, donc après il faut un gaz, le gaz il est un peu petit celui-là pour faire les frites. Ouais, je peux le mettre un peu plus fort. Ouais. Ouais, il faut vraiment remettre assez fort une fois que vous plongez les frites. Voilà, donc après il faut attendre et surveiller. Alors, là, ça commence à être vraiment sympa, elle commence légèrement à dorer. Donc là, elles sont cuites. Hein. Alors après, si vous voulez plus doré, plus croustillant, il faut laisser un peu plus. Mais d'un point de vue diététique, c'est quand même beaucoup mieux de les arrêter là. Donc voilà, je vais goûter ça. Écoute. Alors voilà, j'ai sorti les frites. Donc j'ai pas de. Bon, comme vous voyez, que ma friteuse elle est extrêmement simple parce que la friteuse électrique, en fait, elle est dans un coin de la maison. On ne sait pas où, il faut remplacer l'huile. Donc là, actuellement, c'est à la casserole. Donc alors, vous allez me dire, oui, j'utilise du papier essuie-tout. En fait, tout ce qui est gras, voilà, vous faites dans une poêle ou une casserole, ou voilà, ou quand, voilà, bon, là, par exemple, les frites, c'est très particulier parce qu'il faut un peu les dégraisser. Donc en fait, l'essuie-tout, c'est très intéressant parce que dès qu'on va essuyer une poêle, vous avez fait cuire avec beaucoup de gras, par exemple, plutôt que de la laver, il va vous falloir beaucoup d'eau, beaucoup de détergent. En fait, vous conservez les papiers avec lesquels vous essuyez, et ça vous fait des allumes-feu. Et du coup, vous les vous recyclez et vous évitez de consommer plein de détergent et plein d'eau. Alors vous voyez, vous avez des frites minces et des potatoes. Le tout dans la même assiette. Voilà, donc bah écoutez, on va passer aux choses sérieuses. Donc du sel avec plein d'herbes dedans, du
de l'origan frais et de la laitue du jardin. Normalement, les frites, c'est avec les graines germées. Mais comme en ce moment, toutes les salades ont décidé de pousser en même temps et de commencer même à monter en graines. Donc du coup, on mange de la laitue. Un petit peu de sel. Très important. J'ai oublié la moutarde. Si on veut manger des frites assez souvent, la moutarde c'est un peu plus diététique quoi, parce que la mayonnaise c'est trempé de l'huile dans de l'huile quoi. Bon appétit. J'aime les frites avec la peau. J'aime les frites avec du sel. J'aime les frites, ça m'en marteau. J'aime les frites au naturel. J'avais oublié l'origan. Aïe. Quelques feuilles d'origan frais. Trop bon. Allez, à bientôt sur la cabane. Ciao.